Alors, bon matin tout le monde. Je crois qu'on a eu quelques petits problèmes techniques, mais heureusement, nous sommes rendus au 21e siècle. Alors, on est bien heureux de vous avoir avec nous ce matin, avec quelques minutes de retard, mais sachez que ça va être encore meilleur, j'en suis convaincu. Après 2 ans de télétravail, plusieurs études et articles ont été publiés sur le sujet. Rappelez-vous, le CPQ, à travers sa plateforme web Guide Télétravail Québec, a abordé le télétravail sous différents thèmes, enjeux juridiques, fiscal, technologique, gestion des ressources humaines, leadership à distance, santé, sécurité et bien-être, toujours comme objectif d'informer, de guider et d'outiller les dirigeants et les gestionnaires de cette transition et plus récemment dans la transition vers le travail hybride. Comme les périodes de confinement, elles, se sont allongées à plusieurs reprises, les postes de travail à la maison qui devaient être temporaires et qui ne sont pas tous aménagés de façon aussi ergonomique qu'au bureau, sont devenus plus permanents que prévu. Certains télétravailleurs ont peut-être adopté le sofa, le lit ou la table de cuisine comme espace de travail. Je suis convaincu que vous, comme moi, vous avez plusieurs exemples en tête qui vous font sourire en ce moment même. De plus, les employeurs n'ont pas, eux, tous les mêmes ressources pour structurer et organiser le télétravail. Ces différents facteurs peuvent augmenter les risques de développer des troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques peuvent avoir de graves conséquences sur la qualité de vie des travailleurs et la productivité du milieu du travail. C'est dans cette dynamique que le Conseil du patronat du Québec, avec le soutien de la CNESST, dans le cadre de son programme d'aide financière pour la formation et l'information en santé et sécurité du travail et la collaboration d'experts dans le domaine a lancé un dossier ergonomie sur la plateforme Guide Télétravail Québec et que nous sommes réunis aujourd'hui pour ce panel de discussion qui vous donneront davantage d'informations. Nos experts invités aborderont avec nous les risques ergonomiques associés au télétravail et le cadre légal en vigueur au Québec concernant la loi sur la santé et sécurité au travail. Sans plus tarder, parce que je suis convaincu que vous avez hâte d'entendre nos deux conférenciers. Sans plus tarder, je vous présente nos deux experts invités. Premièrement, Patrick Vincent, kinésiologue et ergonome certifié, président de Vincent Ergonomie et membre du conseil d'administration de l'Association professionnelle des ergonomes du Québec. Monsieur Vincent est actif dans le domaine de l'ergonomie depuis 1996. Il est membre de l'Association canadienne d'ergonomie et il détient la désignation d'ergonome certifié du Conseil canadien de certification des praticiens en ergonomie. Il est aussi le premier ergonome québécois à porter le titre de professionnel accrédité WELL, W-E-L-L, rejoignant ainsi une communauté de praticiens reconnus pour leur expertise de la santé et du bien-être des occupants dans les bâtiments. Maître Caroline Jodoin, avocate senior chez Norton Rose Fulbright Canada, où elle pratique depuis 2014. Maître Jodoin conseille des petites, moyennes et des grandes entreprises de compétences provinciales ou fédérales sur tous les aspects du droit de l'emploi et du travail, notamment en matière de santé et sécurité au travail. Elle prête également main-forte aux employeurs pour la gestion quotidienne de leurs relations de travail ou d'emploi, que ce soit à l'égard des sanctions disciplinaires, de mesures administratives, de licenciement ou de rédaction de politiques diverses ou de questions de santé et sécurité au travail. Elle a également acquis des compétences en matière de mode de gestion qui contribuent à réduire, voire éliminer, l'intérêt des employés pour la syndicalisation. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais inviter Maître Vincent et Maître Jodoin à nous parler quelques minutes de leur parcours et de leur expérience des 20 derniers mois en liant le lien avec le télétravail. Je laisserai par la suite, Monsieur Vincent, directeur du contenu au dossier ergonomie, guider la discussion. Merci à tous et surtout, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions tout au long de l'événement. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Donc, bonjour tout le monde. En fait, merci, Monsieur Blackburn. Écoutez, je ne pensais pas avoir tant d'honneur aujourd'hui puis me faire appeler maître. Malheureusement, je n'ai pas ce titre-là, mais je suis très heureux d'être avec vous. Donc, un petit clin d'œil pour vous, Monsieur Blackburn.
Caroline et moi, on a convenu justement de laisser tomber le maître Jodoin. Je vais l'appeler là par son prénom et pour faire de même. Écoutez, les 20 derniers mois ont été là, des montagnes russes pour tout le monde. Moi, je suis un petit entrepreneur avec une firme d'ergonomes. On a vécu là, les montagnes russes comme tout le monde, avec la période de licenciement là, du début. Et éventuellement, là, on a été chanceux, nous, dans le domaine de l'ergonomie, on a été considérés comme un service essentiel. Donc, on a pu rapidement réembaucher là, notre équipe, mais ça a été toute une aventure. Une fois un peu le choc encaissé, moi, j'ai essayé de faire œuvre utile, de m'impliquer, d'être partie prenante de la solution. Fait que j'ai profité de différentes opportunités. En fait, j'ai initié une table d'études conjointe avec l'Association professionnelle des ergonomes du Québec et l'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec, une table conjointe qui visait là, à réfléchir sur les aménagements et les environnements en pandémie et post-pandémie. Donc, il y a eu une trentaine de professionnels qui se sont réunis de tous les horizons, designers, ergonomes, des gens du monde manufacturier là, qui font du mobilier de bureau, des gens dans le domaine de la ventilation, des gens plus du monde des entreprises privées, des grands employeurs. On a donc eu un horizon vraiment très grand, là, 360 degrés de la réalité un peu que les entreprises vivaient. Et il y a eu 6 sessions de travail, puis ça nous a aidé à réfléchir un peu à l'évolution des espaces de travail là, suite à la pandémie. Par la suite aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec le bureau de design et la Ville de Montréal dans une initiative COVID Design qui était coordonnée par les Architectes sans frontières, qui visait à réfléchir, en fait, à repenser les commerces pour en faire des commerces résilients. Il y a d'ailleurs une publication qui a été produite dernièrement. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran, mais il y a un guide sur les commerces résilients qui a été lancé dernièrement. Si ce n'est pas maintenant qu'on le présente, il y aura des liens qui seront présentés. Donc, il y a eu cette initiative-là de COVID Design. Par la suite, j'ai participé aussi à l'organisation de la semaine du télétravail d'un organisme qui s'appelle Télétravail Québec. Donc, j'ai vraiment essayé là, de contribuer de toutes les façons. Aujourd'hui, je suis heureux de participer avec le conseil du patronat à cette à faire, en fait, partager ces formations-là pour aider les autres. Donc, aujourd'hui, on a un super live avec plein de questions sur l'ergonomie et les obligations légales. Donc, sans plus tarder, là, je vais laisser la parole à ma collègue Caroline. Bon matin tout le monde. Le soleil est rayonnant à Montréal. On est content d'être là avec vous. On m'a demandé aussi de partager mon expérience des 20 derniers mois. Évidemment, chez Norton Rose, on a été très occupés au début de la pandémie, en fait tout le long des derniers 20 mois, sur des sujets qui sortaient de l'ordinaire, un peu comme nos clients étaient confrontés à des nouvelles réalités. On est polyvalent, on s'est adapté, puis on les a accompagnés du mieux qu'on pouvait. Évidemment, au début, c'était un peu plus drastique, les mises à pied notamment des employeurs qui ont été obligés de fermer, mais on les a beaucoup accompagnés dans l'organisation vers le télétravail. C'est quand même un changement drastique dans les conditions d'emploi de la plupart des employés de bureau surtout, là. Alors, c'est vraiment un changement d'organisation, mais il y a aussi beaucoup eu dans la dernière année des mesures d'accommodement, obligations familiales, des gens pris à la maison avec des jeunes enfants qui courent partout, dont moi. Alors aussi, de faire des procès en virtuel avec les enfants qui couraient partout, le conjoint, la voisine qui rentre pour aider. Alors, écoutez, on s'est adapté, on a conseillé du mieux qu'on pouvait nos clients, mais on a eu aussi l'opportunité de toucher à plein de nouvelles matières au niveau légal pour conseiller nos clients sur comment gérer des employés à distance, comment les ramener au travail quand il fallait les ramener au travail, comment les retourner à la maison quand il fallait les retourner à la maison. Comment être conciliant, comment accommoder. Il y a eu beaucoup de questions sur l'accommodement en matière évidemment familiale ou autre de santé. Alors, ça a été des montagnes russes ici aussi, mais très agréable, vraiment. On a eu l'impression qu'on pouvait vraiment aider nos clients puis la communauté du Québec dans ce branle-bas de combat. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin pour discuter avec Patrick. Je suis toujours un peu nerveuse quand je parle avec Patrick. Je me demande toujours si je suis bien assise, si mes installations sont conformes. Je suis au bureau ce matin, alors je pense que tout est beau. Je ne suis pas sur le coin de ma cuisine ni au bout de mon lit dans ma chambre. Ça me fait plaisir d'être là puis de discuter avec vous. On vous invite évidemment à nous donner vos questions en temps réel
on en prend connaissance, puis si on peut, on va pouvoir y répondre là, durant l'heure et demie avec vous. Super. Donc, Caroline, écoute, je vais donner des petites consignes un peu là, à tout le monde. Comme tu le disais, on va accueillir les questions en cours de route, mais on s'est quand même prévu là, sur le. On avait 1 heure et demie en fait à l'événement. On a commencé un petit peu décalé, mais c'est pas grave, on va gérer. On avait prévu un petit peu de temps de questions à la fin, 10 minutes, mais n'hésitez pas à répondre, là, pas à répondre, mais à poser vos questions. Peu importe d'où viendra la question, la régie, tout ça va nous relayer vos questions, ça manifeste votre intérêt, puis nous, on peut répondre à ça, rebondir sur vos questions. Donc, voilà, fait que moi, je vais jouer un peu le rôle de modérateur et d'expert. Donc, je vais lancer les questions, je vais laisser ma collègue y répondre, puis ajouter mon grain de sel, chacun dans nos expertises. Donc, voilà. Fait que, sans plus tarder, lançons le bal. Première section de cet événement-là, en fait, sur le télétravail, on a intitulé ça le télétravail de l'urgence à la permanence. Donc, effectivement, là, ça s'installe, comme M. Blackburn l'a très bien dit, c'est une situation qui devient de plus en plus permanente. Le télétravail, ça a été un mécanisme de défense là, de la plupart des entreprises, un repli stratégique là, pour être capable de continuer à opérer. Mais maintenant, c'est de plus en plus prisé par les employés. Donc, ça amène des nouvelles questions. Donc, cette première question-là, dans le contexte actuel, là, il est important de faire certains rappels en matière de santé et sécurité du travail. Donc, Caroline, peux-tu nous rappeler les obligations de l'employeur puis de l'employé en matière de santé et sécurité dans ce contexte-là de télétravail? Avec plaisir. Carl le disait tantôt, on a toutes des idées un peu drôles ou loufoques en tête quand on parle de télétravail. Évidemment, je pense à mon conjoint qui s'est installé au bout du lit, là, mais c'est drôle, là, puis c'est cocasse, puis on en parlera probablement pendant les 10 prochaines années. Mais au niveau des employeurs, en fait, ça allume des lumières, là, d'avoir des employés à temps plein ou pas, parce qu'on va parler ultérieurement dans notre présentation du travail hybride, là. Donc, à temps plein ou non, des employés qui sont installés au bout du lit. Pour travailler, c'est problématique, c'est dangereux, puis il y a des risques associés à ça, dont l'employeur est responsable. Alors, ça me fait plaisir là, de réitérer, mais je pense que c'est le message, un des messages qu'on voulait lancer aujourd'hui, c'est on était dans l'urgence, on a fait ce qu'on pouvait, puis honnêtement, tous les employeurs au Québec ont été super flexibles, et les employés, là, Exact. je représente des employeurs, mais les employés aussi ont été très flexibles, très résilients là-dedans. On a fait ce qu'on pouvait, puis honnêtement, on s'est super bien débrouillé. Puis je pense qu'on peut se taper l'épaule là, de dire qu'on a fait du chemin depuis les 20 derniers mois. Ceci dit, c'est pas fini. La pandémie, on le voit là, dans les nouvelles, c'est pas fini. Malheureusement, on va devoir gérer ça dans les prochains mois également. Mais là, il est temps, je pense, de profiter de la nouvelle année pour rebâtir des bases, revoir ce qu'on a fait, puis formaliser le tout. Un des takeaways que j'ai envie de vous lancer aujourd'hui, c'est de vous assurer d'avoir une politique de télétravail, puis on va y revenir, on va en parler, mais c'est important de documenter puis formaliser, là. On a laissé les employés s'installer, on a fourni des équipements, on s'est assuré qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin pour travailler de la maison, mais on a des obligations légales comme employeur, puis il faut y voir avant qu'il soit trop tard. C'est un Oui. peu le message qu'on veut lancer aujourd'hui. Fait que d'abord et avant tout, je voulais. Caroline, Oui? si tu me permets là, un peu, là, oui, on doit rappeler là, que les troubles musculo-squelettiques, tendinite, bursite, maux de dos, là, ils n'attendent pas, eux, de se développer, là, qu'on soit bien équipé ou non, là, ils arrivent quand ils arrivent. Donc, oui, au début, nous aussi, là, on a aidé les gens à trouver moyen de varier la posture en travaillant laptop déposé sur une planche à repasser pour faire un poste assis debout. Puis, tu sais, on était créatifs, mais là, on n'est plus à cette époque-là. L'employeur a véritablement une obligation de prévention et c'est ça qu'il faut rappeler, là, les obligations de l'employeur, là. Absolument. Puis en fait, tu sais, on ne les a pas oubliés. Je pense que tout le monde en est conscient, mais on les a un peu mis de côté vu l'urgence de la situation. Là, il est temps de ramener la théorie puis s'assurer qu'on respecte nos obligations. D'abord, je voulais vous parler quand même parce que l'employé a une responsabilité. Je ne sais pas si c'est juste des employeurs qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des employés aussi, mais l'employé a une responsabilité dans le cadre télétravail ou non. Là, la loi était claire avant puis la loi s'applique toujours, même en télétravail. J'ai préparé une petite diapositive, je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran, sur un rappel des obligations
de l'employé. Donc, la loi sur la santé et sécurité au travail prévoit à l'article 49 les obligations de l'employé. Il y en a quelques-unes qui, je pense, s'appliquent on point là, à la situation de télétravail. Bon, la première, prendre connaissance du programme de prévention, on y reviendra. La deuxième m'intéresse plus particulièrement, prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Alors, l'employé qui s'installe chez lui ou au bureau a quand même l'obligation de faire une prise de conscience, de s'assurer que sa santé, sa sécurité est préservée dans le contexte de son travail. Alors, d'autant plus, je pense, chez lui, quand il s'installe à la cuisine ou dans son bureau, il a l'obligation de veiller à ce que son bureau, ses installations soient optimales pour préserver son intégrité physique, sa santé, sécurité. Évidemment, tu sais, on pense souvent au fil qui va dépasser ou au branchement peu conforme dans lequel on peut s'accrocher, mais ça va bien au-delà de ça. À mon sens, à moi, s'asseoir au bout du lit sur un matelas puis avec des coussins, c'est clair qu'à long terme, à court, moyen, long terme, il y a des enjeux de santé qui vont arriver. Alors, ce n'est pas une bonne façon de travailler, puis il ne faut pas le faire. Je pense que de le faire pourrait contrevenir à tes obligations comme employé. Alors, c'est important de savoir que les employés ont leur part de responsabilité. Évidemment, c'est une responsabilité qui est partagée. On va y revenir sur les obligations de l'employeur. Troisième point, veiller à ne pas mettre en danger sa santé et sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail. Ça s'applique un peu moins à la maison. À moins qu'il y ait des co-travailleurs, ça arrive, se mettre à dire, bon, participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail. On parle beaucoup de lieu de travail. La question dont tu vas me poser, Patrick, je le sais, est-ce que le domicile de l'employé est le lieu de travail et son lieu de travail? Oui. Avant pandémie, pendant pandémie, post-pandémie, si il y a eu comme une espèce de doute chez les gens que la résidence ne serait pas couverte, mais dans le fond, effectivement, là, c'est son nouveau lieu de travail. Il faut donc en prendre acte. Pouvant pas faire autrement, c'est son lieu de travail. La loi se rend jusque-là, dans le fond, comme si on voyage pour affaires. On est protégé finalement par la loi, là. Oui, on a des obligations et des responsabilités, peu importe où on fait le travail. Absolument. Puis c'était le cas avant pandémie aussi, avant l'ère du télétravail. Je veux dire, le télétravail formalisé comme ça à temps plein, je pense que c'est assez nouveau pour la plupart des employeurs, mais même avant la pandémie, il y avait beaucoup d'employés qui travaillaient en télétravail, peut-être moins formellement, mais le lieu de travail est plus que juste l'établissement, puis on va y revenir plus tard dans les obligations de l'employeur, là. C'est sûr qu'il y a l'établissement, le concept juridique d'établissement de l'employeur, puis comme je vous dis, on va y revenir, mais le lieu de travail, c'est clair pour moi qu'il s'étend à l'extérieur du bureau physique de l'employeur. Alors, l'employé a sa part de responsabilité dans l'identification des risques, puis dans la préservation de sa santé et sécurité à la maison. Ceci dit, vous le savez, c'est un peu théorique. Là, je pense que l'employeur, il est maintenant temps qu'il veille à ses obligations, puis qu'il en fait fournisse les outils à l'employé pour qu'il puisse lui-même identifier les risques ou lui-même s'assurer de préserver sa santé et sécurité. L'employeur a cette obligation-là de fournir les outils, puis on verra comment on peut fournir ces outils-là à nos employés pour leur assurer qu'ils aient un environnement de travail sécuritaire puis qu'ils puissent remplir leurs obligations. Maintenant, les obligations de l'employeur, j'ai aussi préparé une petite diapositive, je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran. Les obligations de l'employeur dans la loi sont très, très longues. Là, je ne les ai pas tous mises. J'ai mis celles qui, à mon sens, étaient les plus importantes dans le cadre du télétravail puis la dimension pandémique de tout ça. Là. L'employeur, il est clair pour moi qu'il a l'obligation, en fait, pas pour moi, là, c'est la loi, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, sécurité et l'intégrité physique du travailleur. La loi prévoit trois choses dont je voulais discuter avec vous. D'abord, c'est à l'article 51, là, s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur. Ça, c'est intéressant parce que là, on ne parle plus de lieu de travail, on parle d'établissement sur lequel il a autorité. Est-ce que l'employeur a autorité sur le domicile de l'employé? Une bonne question. C'est des bonnes questions juridiques, ça va me faire plaisir de débattre. Écoutez, je pense qu'il y a vraiment...
En fait, à mon sens, à moi, l'employeur n'a pas autorité sur le domicile de l'employé. L'employé a quand même une vie privée chez lui, c'est son domicile, puis je n'ai pas autorité. Là. Ceci non. dit, les autres dispositions vont s'appliquer, et ceci dit, la jurisprudence va évoluer. D'ailleurs, le tribunal administratif du travail, dans un contexte autre là, de dispositions anti-briseurs de grève, a rendu cette semaine, là, il y a quelques jours, une décision dans laquelle il dit « l'établissement de l'employeur s'étend au domicile des employés quand j'analyse les dispositions anti-briseurs de grève ». Alors, conflit de travail, le tribunal devait se pencher, est-ce que les gens dans leur domicile contreviennent aux dispositions anti-briseurs de grève en faisant du travail pour l'employeur? Et le tribunal a décidé que le domicile de l'employé était le prolongement de l'établissement de l'employeur. Alors ça, c'est une première décision qui est rendue hors contexte santé et sécurité au travail, mais quand même qui nous donne des indications que cette disposition-là pourrait être interprétée un peu dans les deux sens par les tribunaux. Il faut y faire attention. Mais au-delà de l'établissement sur lequel l'employeur a le contrôle, la loi prévoit aussi, puis ça, c'est les deux autres paragraphes dont j'ai mis à l'écran, que l'employeur, indépendamment de l'établissement auquel on fait référence, doit s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour accomplir le travail sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. Alors ça, c'est, à mon sens, pas toujours interprétation. C'est ça. C'est là que les obligations entrent en ligne de compte, là, très sérieusement. Exactement. Puis au-delà de l'interprétation de ce que c'est l'établissement de l'employeur, ça, c'est clair, là, on ne réfère pas à l'établissement, on réfère à l'organisation du travail, les méthodes et techniques utilisées. Puis ça, ça s'étend nécessairement au lieu de travail de l'employé, peu importe où il est. Puis on parle du domicile, mais il y a aussi des employés qui voyagent d'affaires, travaillaient de l'hôtel, d'une salle de congrès, etc., etc. Là, c'est pas juste au domicile, bien que là, je pense que la discussion aujourd'hui tourne beaucoup autour de ça, là. Puis finalement, l'employeur a l'obligation d'utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler, éliminer les risques pouvant affecter la santé et sécurité du travailleur. Alors, c'est clair, béton, la loi le prévoit, il faut utiliser des méthodes et techniques pour identifier, contrôler et éliminer les risques. Donc, finalement, l'employeur, Caroline, a l'obligation un peu là, de documenter, j'imagine, jusqu'où ça va, là, cet exercice-là de identifier, contrôler, éliminer les risques, là, dans le fond, est-ce que les gens vont documenter, consigner les conditions ergonomiques du bureau à la maison? Est-ce que c'est ça, ça va jusque-là, l'obligation de l'employeur? Mais ma recommandation, c'est clair que oui. C'est clair que là fin 2021, je vais vous laisser une pause jusqu'à Noël quand même, au retour des fêtes. C'est clair pour moi qu'il faut mettre une politique de télétravail. On en discute depuis des mois, mais là, il faut le faire. Puis dans la politique, il faut effectivement prévoir un mécanisme pour vérifier les conditions de travail de l'employé à la maison. Là, vous allez me dire, comment on fait ça? Je dirais, je ne peux pas cogner à la porte de l'employé puis me présenter un mardi matin pour vérifier son bureau. Il y a des moyens de le faire. On peut prévoir à la politique des visites à domicile, ça se fait avec un préavis suffisant, puis évidemment, idéalement, le consentement de l'employé. Mais il y a d'autres façons aussi, là, je veux dire, les employeurs du Québec ont beaucoup d'employés puis qui sont situés là, dans une zone géographique assez étendue. Là, je pense que ce serait coûteux et beaucoup de temps et d'énergie de se présenter au domicile de l'employé. Il y a d'autres façons de le faire. On peut, par exemple, fixer un appel Teams ou peu importe la plateforme, visioconférence pour demander à l'employé, là, vérifier l'état de la nation, demander de tourner la caméra, voir comment il est installé, discuter avec lui de ce qu'il a fait pour rendre son bureau de travail plus ergonomique, discuter avec lui de quels sont ses besoins puis comment on peut l'outiller dans cette démarche-là. Je pense qu'il est important de faire des rencontres comme ça. Visio, on peut aussi demander des photos à l'employé puis les consigner au dossier de l'employé. Je pense que c'est important, un, pour démontrer qu'on remplit nos obligations en matière de santé et sécurité au travail, deux, pour prévenir, parce que c'est une obligation, prévenir les risques d'accidents de travail, maladies professionnelles, trois, être bienveillant envers nos employés. Ouais, c'est ça.
Il y a l'idée de l'obligation, mais je pense que bien des employeurs sont au-delà de leurs Oui. obligations. Là, ils font beaucoup, en fait, pour prendre soin de leurs employés, puis on n'est pas strictement là, sur le minimum. Dans bien des cas, on fait plein de pirouettes. On connaît le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Les employeurs veulent attirer les meilleurs talents, les retenir et tout ça. Donc, faire le minimum, c'est plus suffisant. Mais c'est bon de rappeler quand même les obligations. Si tu permets, Caroline, c'est sûr que d'un point de vue ergonomique, là, faire une espèce de audit de l'installation avec une grille de vérification, s'assurer d'un certain nombre de composantes, là, si bureau, périphérique, écran, etc., s'il y a une présence de tout ça, est-ce que ça permet finalement d'atteindre les consignes et recommandations générales? On a tous vu les schémas où on a les coudes à 90 degrés pour utiliser son clavier, l'écran à la hauteur des yeux, les genoux à 90 degrés, pieds bien appuyés au sol. Bon, ces schémas-là sont importants pour assurer le confort, bien entendu. Mais pendant qu'on fait justement cet audit-là, il y a l'idée effectivement de documenter, d'aller peut-être jusqu'à photos, vidéos. On a eu des conversations, toi et moi, là, pour préparer. Tu me disais des fois qu'il pouvait même avoir des visites de réaliser et que lorsqu'on fait cette visite-là, on peut être appelé à surveiller plus que dans le fond l'aspect ergonomique. Il y a aussi tout l'aspect de la gestion des documents puis de la confidentialité. Parle-moi un peu de ce volet-là, là. Je t'amène là peut-être un peu plus tôt que prévu, mais il y a effectivement plein d'enjeux là, à travailler de la maison. La santé et sécurité, c'est un aspect, mais il y a des aspects opérationnels, là, important aussi à considérer pour l'employeur, là. Absolument. Puis en fait, moi, ce que je recommande toujours aux clients, c'est oui, CSST, là. Puis je pense que les clients ont leur équipe CSST, ou des fois, c'est peut-être un fardeau de se dire, bon, là, je vais demander des photos, je vais refixer un appel pour revoir, tu sais, de façon périodique l'installation de l'employé qui peut être amené à changer. Et honnêtement, tu sais, il peut travailler, je sais pas, une certaine période de temps dans le bureau en bas, puis faire une rotation avec le conjoint-conjointe ou les enfants qui sont retournés à l'école, qui ont besoin, tu sais, etc. Et je pense que c'est important de le faire périodique, mais pas de le voir comme un fardeau. Je pense qu'il faut être bienveillant, être proactif. Mais quand on fait des visites comme ça ou des rencontres, là, visioconférences pour voir l'organisation du travail, je pense qu'il faut en profiter pour voir autre chose, notamment s'assurer de la confidentialité des renseignements. Là, on est beaucoup, excusez l'anglicisme, là, paperless, mais en tout cas, dans le monde juridique, on essaie, mais il y a quand même des Papier. dossiers qui traînent, des boîtes, tu sais, pré-pandémie, là, quand mars est arrivé, les gens sont venus chercher les documents dont ils avaient besoin à la maison, puis les boîtes se sont empilées derrière dans leur bureau à la maison. C'est souvent des documents confidentiels. Il faut s'assurer qu'il y a une sécurité qui est mise autour de ça parce que ces documents-là, évidemment, appartiennent à l'employeur. Il faut s'assurer qu'ils sont bien préservés, qu'ils rentrent dans le bureau, où ces documents-là sont logés. Peut-être qu'il est temps aussi de demander à nos employés de vider leur bureau, là. On a toléré ça parce qu'à la maison, tu sais, en fait, c'était bien à l'avantage de l'employeur de sortir les documents pour que l'employé puisse continuer ses mandats, ses projets, sa prestation de travail de façon générale. Mais je pense qu'il est aussi temps, au point de vue confidentiel, de redemander à nos employés quand ils reviendront à raison d'une ou deux journées par semaine, d'en profiter pour ramener les boîtes, ramener les documents, les choses qui traînent, qui ne sont pas utilisées depuis les dernières années, il faut les archiver, mais au bureau. Et je pense que quand on fait ces rencontres périodiques avec l'employé, oui, on a le volet santé et sécurité où on coche les cases, là, puis on s'assure que tout est ergonomique, mais je pense qu'il faut en profiter pour voir plus loin, notamment sur la confidentialité. Aussi sur l'utilisation des ressources personnelles qui sont faites dans le cadre du travail. Est-ce que l'employé utilise son iPad, son ordinateur personnel pour ajouter un écran, par exemple, ou pour faire du travail parce que la connexion au VPN ou au système informatique n'est pas super fonctionnelle? Je pense qu'il faut s'assurer, au-delà de la santé et sécurité du travail, qu'on fait le tour de toutes les obligations de l'employé conformément à nos politiques. Puis là, je reviens, vous allez trouver que je suis redondante, là, mais votre politique de télétravail devrait s'élargir puis contenir tout ça. Bien, effectivement, dans cette politique-là, il y a beaucoup de choses à considérer. Il y a, entre autres, là, les moyens qu'on veut rendre disponibles à l'employé, potentiellement.
Nous, dans notre pratique en ergonomie chez Vincent Ergonomie, on a aidé les entreprises, bien entendu, à supporter leurs employés à faire des achats, parce que ce n'est pas tous les employeurs qui ont un budget là, pour équiper en double au bureau et en télétravail. Des fois, on a récupéré des équipements du bureau pour amener à la maison. Il y a eu toutes sortes de choses. Au début de la pandémie, les gens rapaillaient un peu, puis s'arrangeaient avec les moyens du bord, mais effectivement, il y a des équipements personnels qui peuvent être utilisés pour faire le travail. Peut-être que c'est intéressant d'investir dans l'ergonomie du poste de travail. Donc, bon, en 2020, il y a eu des crédits d'impôt qui ont été offerts par les paliers de gouvernement. Il y a eu des modalités au fédéral. À un moment donné, c'était si on travaillait plus de 50 % du temps à la maison, on avait le droit là, à l'équivalent de 2 $ par jour. Ça pouvait monter jusqu'à 400 $. Il y avait un mode de calcul là, qui était dans le fond fixe, là, mais temporaire, qui avait un mode de calcul plus détaillé. Bon, au provincial, c'était un autre fonctionnement. Je pense que tout ça doit être regardé. Là, je ne suis pas un expert de la fiscalité, mais il y a des possibilités, dans le fond, pour l'employé de participer à son confort, à son bien-être, à sa santé. Il y a l'employeur qui peut aider simplement son personnel en l'informant de ces aspects fiscaux-là, de dire à son personnel comment, dans le fond, il peut investir puis déduire ça de son rapport d'impôt ou comment il peut aménager ça. Ça peut être une forme là, de soutien. Bien des employeurs ont prévu des budgets pour soutenir. Et donc, l'idée, c'est que là, il y a le temps. Là. Si vous avez des budgets disponibles, si vous avez, dans le fond, dans le fond, soutenir vos employés, là, c'est le temps de dire aux gens, équipez-vous. Le temporaire est devenu permanent. Les problèmes musculo-squelettiques, là, ils vont apparaître là, si vous ne les faites pas. Donc, c'est le temps d'investir, c'est le temps de bien investir. Moi, je dis tout le temps à nos clients de faire un peu le bilan de leur situation. Tu sais, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Qu'est-ce que l'employeur m'avait déjà fourni? Qu'est-ce que je pourrais investir de plus? Si j'ai des problèmes de santé là, récurrents, problèmes de dos, une vieille blessure de guerre, là, je ne sais pas. Les gens, dans le fond, doivent investir au bon endroit pour avoir le maximum d'impact. Si vous avez mal à l'épaule puis que vous travaillez avec les bras sur une table de cuisine trop haute, c'est peut-être le temps là, de trouver une façon de rehausser votre assise, avoir un appui-pied pour aligner finalement votre coude à la hauteur du clavier pour alléger la tension dans les épaules. Donc, investir donc aux bons endroits pour avoir le maximum d'impact. Puis les employeurs, vous pouvez guider dans le fond vos employés dans ces choix-là en leur faisant un petit abécédaire, là. Ça peut être un petit article, ça peut être un petit guide de dire, écoutez, un, faites l'inventaire de ce que vous avez à votre disposition. Deux, identifiez peut-être les inconforts qui sont plus récurrents. Puis, tu sais, trois, là, ciblez. Bien des employeurs vont un peu mettre dans une liste les équipements qui sont admissibles. C'est le fun, là. J'ai 500 $, je vais m'acheter un écran plasma, là, tu sais. Pas ça, là, tu sais. Il faut que ce soit du matériel pour le travail. Donc, on pourrait vouloir lister les équipements, là, admissibles, même proposer des solutions concrètes, là, des numéros de modèle. Souvent, les employeurs ont accès à des ententes corporatives. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont étendu ces ententes corporatives-là à leurs employés. Il faut juste trouver une façon de gérer la distribution de ce matériel-là. Ce n'est pas toutes les entreprises, là, qui ont un service de distribution à domicile. Donc, c'est de voir comment on organise ça. Mais là, c'est le temps de s'équiper parce que les problèmes musculo-squelettiques vont apparaître. Puis effectivement, on le sait maintenant, le lieu de travail à la maison fait partie des responsabilités. Puis s'il y a une demande d'indemnisation, il va y avoir éventuellement là, des considérations là, sur les conditions de travail à la maison. Oui, j'ai vu Donc, passer. d'ailleurs, je voulais juste faire allusion rapidement à un document que la CNSST a produit, qui est facilement disponible, qu'on peut trouver sur Internet. Si on peut le présenter à l'écran, c'est un document qui conseille en fait sur l'utilisation d'un ordinateur portable, qui donne les consignes, les fameux réglages dont on a parlé, la hauteur de l'écran, la hauteur du clavier, la souris, tout ça. Donc, on parlait de budget là. Si vous avez déjà un portable pour travailler à la maison et que vous n'aviez pas un clavier puis une souris distincte, ça, c'est pas dispendieux. Pour moins de 50 $, vous pouvez avoir un clavier puis une souris distincte. Ça fait une grosse différence parce que ça permet d'ajuster la hauteur de l'écran à la bonne hauteur.
puis d'avoir le clavier, la souris à la bonne hauteur. Si on travaille directement sur le portable, c'est un peu la quadrature du cercle, tu sais, si on a la bonne hauteur du clavier, l'écran est trop bas. Si on met l'écran à la bonne hauteur, le clavier est trop haut. Donc, c'est vraiment un must. Puis il y a d'autres petits achats qu'on pourra parler un peu plus loin. Dans le fond, je veux nous amener en fait sur une autre question, justement, qui était la question de l'indemnisation. Donc, il y a des enjeux finalement à laisser l'employé travailler avec son matériel personnel ou à travailler un peu sans trop tenir compte des conditions de travail. Notamment, là, on parlait d'indemnisation, des enjeux. Il y a peut-être d'autres aspects là, de gérance, là, du droit de gérance de l'employeur, là, qui peuvent être affectés si on laisse le personnel travailler avec l'ordinateur de la maison, par exemple. Absolument, en fait. Puis juste avant, je voulais dire quelque chose. Je le vois beaucoup là, en ce moment, ce qu'on a fait, les employeurs, ce qu'ils ont fait, c'est justement au début de la pandémie, ils ont vérifié quand même les conditions de travail, là, comment les employés travaillaient de la maison. Ils l'ont fait, là, peut-être au début de l'été. Puis souvent, ce qui est arrivé, c'est qu'on disait, ben, ouais, c'est vrai que ta chaise n'est pas tout à fait à propos. Va au bureau, tu sais, un soir ou un matin tôt, va chercher ta chaise, va chercher ton clavier, va chercher ta souris, ramène tes choses, tu vas être mieux installé à la maison, pas de problème, je te donne la permission ou je te livre ta chaise. Ça, c'est arrivé beaucoup parce que les employeurs ont voulu être conciliants, voulu s'assurer que les employés étaient bien installés à la maison, voulu éviter des frais pour rien en se disant, bien, de toute façon, les gens vont revenir puis ils ramèneront leur chaise. Là, ce qui arrive, puis on en parlera tout à l'heure, c'est le retour en mode hybride. Fait que les gens reviennent au bureau, puis il n'y a plus de chaise, il n'y a plus de souris, puis il n'y a plus de clavier. Alors, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut réinvestir. Et je pense qu'il faut demander aux gens de ramener au bureau la chaise qu'ils avaient prise, puis le matériel informatique. Puis je pense que c'est ça, il est temps que les gens s'installent à la maison parce que c'est là pour rester. Puis on va en discuter tantôt, Patrick, mais c'est clair pour moi que le télétravail est là pour rester. Peut-être probablement pas dans la façon dont c'est présentement, mais ça va rester. Moi, Alors, il faut s'assurer à long terme que les gens, même s'ils sont en télétravail une ou deux journées par semaine, qu'ils sont bien installés à la maison. ben, écoute, quand on a eu une conversation, toi et moi, là, j'étais étonné là, justement de apprendre que tu sais, si la personne travaille sur son ordinateur personnel, l'employeur ne peut pas surveiller de la même façon l'exécution du travail, ne peut pas s'assurer non plus de la sécurité informatique. Il y a plein de ramifications à utiliser ses équipements personnels. En cas d'indemnisation aussi, si les conditions ne sont pas adéquates et n'ont pas été un peu surveillées, puis il n'y a pas une certaine vérification qui a été faite, en cas d'indemnisation, l'employeur se met un peu dans le trouble. On ne peut pas s'en laver les mains facilement, là. Je ne sais pas s'il y a de la jurisprudence là-dessus, mais normalement, tu sais, si l'employé, on lui offre les moyens de s'ajuster, de s'installer, il a l'obligation, lui, de appliquer les bonnes pratiques, d'ajuster tout ça, puis d'utiliser ça adéquatement. Donc, je ne sais pas si c'est encore en mouvement, là, si c'est clair, là, comment se fait le partage un peu de la responsabilité employé-employeur dans un contexte comme ça, de télétravail avec des équipements de fortune. Mais Est-ce que c'est tu as de clair. l'information là-dessus? C'est clair pour moi que l'employé qui est victime d'un accident de travail ou qui survient à une lésion professionnelle, c'est clair pour moi qu'il va être indemnisé. Qu'importe s'il est installé au bureau ou à l'extérieur. Si c'est fait dans le cadre de son travail, je le disais un peu plus tôt, qu'il soit à l'hôtel ou dans un congrès ou s'il arrive un accident de travail dans le cadre de son travail, dans l'exécution, il va être indemnisé. Maintenant, est-ce qu'il y a une façon de départager la facture en bout de ligne? Oui, il y aura plein, puis c'est au cas par cas, évidemment, il faut s'assurer, mais ceci dit, même si l'employé s'est mal installé à la maison, s'il survient un accident de travail, pour moi, il va être indemnisé. Il y a des façons peut-être de partager la facture ultimement, mais il faut penser qu'il va être indemnisé. La loi prévoit que ça prend vraiment des actes de négligence et une volonté de l'employé pour que l'accident survienne. Fait que, tu sais, c'est pas juste, il y a une faute contributoire de l'employé, il ne sera pas indemnisé. C'est vraiment, faudrait que l'employé soit grandement négligent puis qu'il ait un caractère volontaire à l'acte posé pour qu'il ne soit pas indemnisé puis que la lésion ne soit pas reconnue elle-même. Alors, c'est clair pour moi qu'un accident de travail qui pourrait survenir ou une maladie professionnelle qui pourrait se développer en raison de le lieu physique où il travaille, à la maison, on est à risque puis il va en avoir. Il va en avoir. Il y en a eu par le passé que l'employé soit installé
à l'établissement d'employeur ou à la maison. Il y en a eu, puis il va en avoir, c'est certain. Puis tu connais mieux que moi les risques associés à l'ergonomie du travail, mais c'est clair pour moi que la CNSST va reconnaître ces lésions-là ou ces accidents de travail. Donc, on a avantage finalement à faire nos devoirs. Puis, on a une question là, qui nous provient de M. Philippe Rochette qui demande en fait si un système d'auto-évaluation administré par l'employé, comme une checklist, là, serait suffisant. C'est sûr que dans le fond, pour donner peut-être une réponse rapide, si le checklist est construit par l'employeur, soumis à l'employé, il peut avoir peut-être un premier recueil de données fait par l'employé, mais il faut que ça soit documenté de façon à être contre-vérifié par l'employeur, selon moi. Donc, s'il y a des photos, s'il y a prise de vidéo ou s'il y a visite, dans le fond, il faut reconfirmer, je pense, il faut que l'employeur reconfirme cet état de fait-là, pas simplement déléguer le tout à l'employé. Il peut avoir un pré-remplissage, auto-diagnostic et tout ça qui peut se faire, mais il faut que ça soit consigné et tout ça comme il faut. Il faut que ce soit contre-vérifié par l'employeur. Est-ce que tu es d'accord un peu avec cette idée-là? Oui, absolument. Puis je pense que l'idée d'une formule liste, checklist là, pour l'employé, je pense que c'est un excellent point de départ, honnêtement, parce qu'il faut outiller les employés. Puis honnêtement, les employés veulent être bien installés, là. T'sais, Exact. au-delà de l'obligation qui est prévue à la loi, les employés veulent être bien installés, puis l'employeur doit leur fournir des outils pour ce faire. Alors, effectivement, je pense que le système d'auto-évaluation est un excellent point de départ pour fournir à l'employé des idées, des réflexes à avoir pour bien s'organiser. Maintenant, je prends comme employeur la formule d'évaluation, je la consigne au dossier, mais je pense qu'il faut effectivement vérifier ça. Puis je pense qu'il faut que ce soit fait de façon ponctuelle. Est-ce qu'il faut que ce soit fait tous les 2 mois? Non, probablement pas. Mais je pense qu'une rencontre ponctuelle, tu sais, on peut voir à chaque trimestre ou 2 fois par année. Ça peut être fait aussi, comme je vous ai dit tantôt, profiter de l'occasion pour avoir des discussions avec vos employés sur d'autres enjeux. Qui sait, ça peut être fait dans le cadre de la rencontre d'évaluation. On en profite pour faire un volet santé-sécurité au début, à la fin de la rencontre. Je pense qu'il faut jumeler le tir pour pas avoir. Tu sais, si l'employeur prend, je sais pas, une demi-heure par employé pour faire une rencontre par trimestre ou 2 fois par année, je pense que rapidement, cette démarche-là va être mise de côté parce qu'on manque de temps, là. Mais si on profite des rencontres avec les employés pour faire le volet santé-sécurité, je pense que c'est comme ça qu'on va l'intégrer à la culture d'entreprise, puis qu'on va se décharger de nos obligations légales, mais que ce soit le fun et bienveillant, puis pas juste Oui. typiquement légal. Donc, il y a certainement une étape, là, à un moment donné, plus formelle. Puis après ça, dans l'informel, on vérifie si c'est maintenu dans le temps, là, un peu comme dans toute autre procédure, là, en santé et sécurité. Donc, je veux juste rappeler aux gens que les gens peuvent poser des questions à travers LinkedIn, là. Les questions sont bienvenues. Peut-être une petite parenthèse encore sur l'achat d'équipement et tout ça, là. Moi, j'aime bien conseiller et dire à mes clients que le budget un peu à prévoir pour avoir une bonne ergonomie à la maison, là, c'est un peu l'équivalent de ce que ça vous a coûté acheter votre ordinateur portable. Si votre ordinateur portable a coûté 1 000 $, 1 200, 1 500, vous devriez grosso modo vous attendre à avoir un budget de cet ordre-là. Mettons 1 000 $, c'est déjà un très bon point de départ. Donc, si la facture est partagée 50-50, c'est une chose. Si c'est, dans le fond, là, encore une fois, mais si on part de zéro, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on peut s'attendre. Puis là, je vais le ventiler. Dans le fond, avoir une table ajustable, on connaît tous des magasins où on assemble nous-mêmes les meubles. On peut avoir en fait une table pour moins de 150 $ ajustée à la bonne hauteur. C'est pas là où le gros du budget va aller. C'est peut-être 15 % de notre 1 000 $. Le gros du budget devrait aller sur une chaise parce qu'on est assis toute la journée et tout ça. Donc, une bonne chaise, là, c'est 300, 400, 500 $ facilement. C'est un élément important. Oui, c'est sûr qu'on peut avoir une chaise de cuisine avec un coussin, puis être à la bonne hauteur, puis ça peut faire pour un temps, mais une bonne chaise ergonomique, quand ça devient plus permanent, ça devient un must. On a parlé tantôt d'un clavier souris pour 50 $. Donc, tu sais, si on additionne les choses, là, 500 $ pour une chaise, par exemple, pour faire des chiffres rapides, 150 $ pour une table, 50 $ pour notre clavier souris. Si je calcule bien, on est déjà à 700 $. Si on veut un écran distinct, là, un écran plus gros là, pour travailler sur un petit écran de portable, 200 $, on est déjà autour de
de 900 $. Fait que vous voyez comment un peu ça peut s'additionner. Il y a toujours moyen de faire plus économique, d'acheter des produits tels quels qui sont revendus là, sur des plateformes de revente. Il y a moyen d'avoir des rabais corporatifs, puis d'avoir des super deals sur des chaises là, ergonomiques, 200-300 $ des fois là, quand on a des gros volumes chez les employeurs. Donc, il y a moyen d'abaisser la facture, c'est certain. Mais moi, ce que j'aime rappeler, c'est que ce n'est pas juste l'ordinateur qui permet la productivité. C'est la personne derrière. Donc, il faut assurer sa santé quand même. Il faut que l'employeur pense aussi à la santé, à la productivité, la continuité d'affaires. Donc, un employé blessé qui est en invalidité, tout ça, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement, ce n'est pas jojo. Donc, les chiffres peuvent faire peur, le 1 000 $ par employé, mais ça peut s'investir progressivement, ça peut être partagé entre les parties. Il y a moyen aussi de faire mieux, mais l'idée, c'est que effectivement, il faut accompagner puis soutenir parce qu'on investit des sommes d'argent importantes dans un bureau, dans les espaces corporatifs, pour assurer une productivité. Maintenant que la productivité est assurée à la maison, il faudrait donc imaginer quand même qu'il y a un certain investissement pour assurer une continuité d'affaires. Puis c'est la nouvelle réalité avec laquelle on doit vivre. Quand le prix de l'essence augmente, on vit avec, on augmente les taux de frais pour déplacement et tout ça. Donc, notre nouvelle réalité, c'est celle-là. Il faut l'intégrer dans notre coût là, d'opération. Donc, sur ça, dans le fond, on couvre déjà dans notre premier volet. On tomberait en fait sur notre deuxième grand volet qu'on a intitulé « Le télétravail, opportunité ou menace ». Donc, on a pu voir dans le fond que le télétravail, là, il y a plein de choses à penser. Il y a l'organisation du télétravail, là, physiquement, l'aménagement physique, il peut avoir des aspects fiscaux, légaux, il y a toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. Le télétravail aujourd'hui, c'est rendu quelque chose de prisé par les employés, hein, conciliation travail-famille, éviter le trafic, perte de temps dans le trafic et tout ça. Donc, les gens veulent ça. C'est rendu un nouveau must pour attirer, retenir les talents. Il faut mettre ça un peu dans l'équation. Les employeurs, de leur côté, ils voient aussi des opportunités de réduire le pied carré, de revoir tout ça. Dans le fond, Caroline, j'aimerais savoir un peu, toi, tu vois toutes sortes de clients, de toutes sortes de milieux, petites, grandes entreprises, dans le fond. Donc, comme avocate chez Norton Rose Fulbright, dans le fond, qu'est-ce que les clients vous disent? C'est-tu une opportunité à leurs yeux? C'est-tu une menace? Quel genre de questions découlent d'un peu de ça? Si c'est une opportunité, une menace, les questions changent. Mais c'est quoi un peu le pouls de votre clientèle? Ça ressemble à quoi? Disclaimer, je ne suis pas en train de violer le secret professionnel. Je vais donner mon opinion. Pas de clients, impression générale. Je voulais juste le noter, évidemment. Puis, tu sais, sur le marché, je pense que c'est des discussions qu'on a, bon, le soir et le week-end, là, je vais dire, on a d'autres discussions aussi, mais c'est clair pour moi que les employeurs au Québec sont en train de regarder ça comme une opportunité. En fait, je pense que c'est une menace si on le regarde à sa face même pour une question de mobilisation des employés. Les gens ont peur que les gens travaillent en silo puis que l'esprit de groupe que les gens s'épuisent à faire des Teams. Au début de la pandémie, on le faisait, là, jeudi, fin de journée, 5 à 7 Teams, les gens sont tannés et ils ne veulent plus le faire. On a l'expression de la fatigue Zoom qu'on entend. Ah oui, plus, donc, écoute, on est tannés. La technologie amène son enjeu, effectivement. Fait que je pense que les employeurs le voient un peu comme une menace sur l'esprit d'équipe, la mobilisation, le transfert des connaissances, la formation des plus jeunes. C'est difficile d'être un jeune puis d'arriver puis d'apprendre son métier quand les gens ne sont pas à côté. T'sais, on le sait tous, on a tous passé par là. Fait que je pense que c'est des enjeux qui sont considérés, mais je suis certaine que tous les employeurs au Québec le voient comme l'avenir. En fait, les employés le veulent. C'est devenu une espèce de condition de travail qui est importante pour la conciliation travail-famille, pour l'équilibre. Pour les gens, ils font plus de sport, etc. Fait que tout le monde y trouve son compte en télétravail, je pense. Fait que les gens doivent s'adapter, les employeurs doivent s'adapter, puis ils sont tous en train de réfléchir à une façon de faire. Mais pour revenir à ta question, est-ce que c'est une opportunité ou menace? Je pense qu'il faut mettre nos lunettes positives puis le voir comme une opportunité de
remplir des besoins de nos employés, de retenir nos gens, d'aller chercher des bons talents en étant flexible puis en permettant aux gens de travailler de la maison. Je pense, puis tout le monde le dit, là, que la formule hybride va y trouver son compte. Mais je pense que dans tout ça, c'est important comme employeur de se doter de politiques. Je reviens à mes politiques. J'espère que vous aurez compris que c'est un des takeaways que je veux que vous repartiez. De doter de politiques claires, des outils clairs auprès des employés. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quand est-ce que je suis attendu au travail, quand est-ce que je peux être à la maison. Je pense que les barèmes doivent être clairs, demeurer flexibles, mais doivent être clairs. Je pense que la politique de télétravail doit donner des indications claires. Quand est-ce que je suis attendu au bureau, puis quand est-ce que je peux rester à la maison. Puis évidemment, ça se module en fonction de l'industrie puis le milieu dans lequel les employeurs œuvrent. Mais pour toutes les industries, je le vois, flexi-travail, flexi-bureau, on réorganise les environnements de travail. Les gens reviennent au bureau. Puis le problème, en fait, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens se sont bien... On a été super conciliants, puis les gens se sont bien outillés à la maison. Ils se sont bien équipés pour la plupart d'une chaise hyper confortable, moderne, parce que là, ils ont acheté, tu sais, d'un bureau moderne, super bien, de tout l'équipement informatique. Ils ont 2 ou 3 écrans, dépendamment de leur rôle. Puis là, ils reviennent au bureau avec peut-être de l'équipement un peu désuet. Fait que je pense qu'elle est là, je pense... Oui, la menace, puis je pense que les employeurs, puis on en a discuté, Patrick et moi, avant, les employeurs, là, il faut qu'ils voient une façon de convertir le bureau en destination, là. Tu sais, comme c'est un événement dans la semaine d'aller au bureau, puis il faut que ce soit accueillant. Parce que sinon, les gens disent, je suis mieux installée chez moi, je suis plus productive chez moi, je suis mieux installée chez moi, les outils, c'est comme... C'est plus moderne, j'ai plus de plaisir à travailler de chez moi. Fait que là, il faut trouver des façons de ramener nos gens au bureau 1, 2, 3 fois par semaine, mais que ce soit intéressant pour eux, puis évidemment, idéalement, qu'ils ne traînent pas leur deuxième écran là, tu sais, dans le transport en commun. Bien, je pense que c'est très intéressant, là, puis je pense qu'on a le même genre d'impression. Là, notre clientèle aussi chez l'Instagonomie, c'est un peu la même chose. On a le sentiment, dans le fond, que les gens sont pragmatiques. Hein, les gens d'affaires sont pragmatiques. Ils voient ça comme une opportunité. Ça règle des problèmes pour leurs employés. Ça donne des heures de plus de travail là, pour certains parce qu'ils n'ont pas le trafic à gérer. Ils ont, en fait, des opportunités de recruter, en fait, des talents un peu partout dans le monde aux besoins. C'est certain qu'il faut voir, les opportunités, il faut les saisir. Moi, je pense que les menaces sont du côté de... justement, les gens qui procrastinent, ceux qui ne traitent pas des bonnes questions, qui ne font pas leur politique, justement, de télétravail, ceux qui ne s'occupent pas de repenser leur espace de travail corporatif pour, justement, gérer un peu l'expérience employée. On pourra y revenir. Les menaces, ils sont dans le fossé qui peut se creuser entre votre entreprise et l'entreprise concurrente. Si vous ne réagissez pas, si vous n'êtes pas à votre affaire, je pense que la menace, elle est là parce que, d'ailleurs, là, si on travaille à la maison, dans le confort de chez soi, puis qu'on a plus ou moins de contact avec nos collègues de travail, ben, on peut aller travailler n'importe où. Il n'y a plus rien qui nous retient avec notre milieu, il n'y a plus rien qui nous attache à notre milieu. Mm-hmm. Donc, dans l'expérience employée, il y a une équation, si on peut dire, un peu là, théorique, mais c'est un peu là-dessus qu'il faut travailler sur l'expérience employée. Parce qu'on dit dans le fond que l'aménagement représenterait peut-être 30 % de cette expérience employée-là, mais il y a 30 % sur la technologie, 40 % sur la culture. Mais il faut effectivement prendre l'opportunité, gérer les enjeux, les risques, essayer de ne pas négliger les angles morts, parce qu'effectivement, là, il y a des menaces en termes de mobilité de main-d'œuvre, il y a des opportunités de recrutement aussi. Donc, il faut être à son affaire, ça c'est certain. Dans le fond, on parlait justement de travail hybride, l'évolution de tout ça, de rendre les espaces corporatifs plus attrayants, d'en faire une destination. Mais dans le fond, ma prochaine question pour toi, là, c'est que dans le fond, on peut pas aller, ben, je veux pas suggérer la réponse dans ma question, mais face à une avocate qui sait manipuler bien les mots et tout ça, mais dans le fond,
On doit faire attention, là, on ne peut pas forcer nos employés, les employés à revenir au travail. Dans le fond, il y a quelque chose dans ça, là. On en a parlé, toi et moi, puis est-ce que c'est un changement drastique des conditions de travail, puis que ça fait en sorte que les gens ont un acquis d'avoir travaillé en télétravail? Est-ce que ça change un peu fondamentalement là, les conditions de travail, tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, au point où sont les forces, là, ça nous met en contravention, là, puis nous met à risque d'être accusés de congédiement déguisé, puis tout ça, là. Qu'est-ce que tu penses un peu de, dans le fond, de ramener un peu plus vigoureusement les gens au bureau, là, par des politiques plus Mais fermes? tu as mis le doigt sur un des enjeux qui se crée par le fil du temps. Les gens sont allés en télétravail en raison de la pandémie, puis c'est une situation exceptionnelle de force majeure. Là, tu sais, au niveau légal, c'était l'argument l'année dernière. Je pense que le temps file et que si on laisse le statu quo sans encadrer dans une politique claire, il est clair pour moi que si le temps file, puis là, on voit, là, on arrive à 2 ans, puis c'est pas fini, là. Fait que vite fait, on va cligner les yeux, puis on va être rendu, j'espère pas, mais peut-être 3, 4 ans, à toujours vivre une situation un peu insécurisante, là, au niveau de la pandémie. Alors, le temps file, il est temps de faire une politique dans laquelle on va mettre qu'il est de l'entière discrétion de l'employeur de ramener nos gens au travail. Parce que c'est un droit de direction, là. C'est pas une condition. En fait, en 2020, c'était pas une condition de travail, le télétravail à 100%. Puis il faut pas que ça le demeure. À moins que vous décidiez que c'est ça que vous voulez, puis vous fermez les bureaux physiques ou vous les restreignez de façon très importante, puis vous vouliez que certains employés aient comme condition de travail le télétravail à 100%. C'est une avenue. Mais ceci dit, il faut préserver notre droit de direction. Il faut que le télétravail, à mon sens, demeure à la discrétion de l'employeur, puis il faut éviter que le temps file, puis que la condition de travail, en fait, que le télétravail devienne une condition de travail essentielle au contrat d'emploi de l'employé, de sorte que si on le ramène dans 3 ans, ils nous disent non, 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 moi, là, ça fait partie essentiellement de mon contrat de travail, le télétravail, puis c'est pour ça que j'ai gardé ma job. Tu sais, c'est important pour moi. Alors, si on fait une politique claire qui est. On va l'écrire, là, puis on va vous aider à le faire, vos avocats le feront, là, puis c'est important de le mettre, que c'est à la discrétion de l'employeur de ramener les gens au bureau. Puis, tu sais, si j'ai un meeting demain matin, puis il faut qu'on ait un meeting ensemble, il faut que l'employeur puisse demander aux employés de se présenter sur les lieux de travail, là. C'est important, puis c'est pour ça que la politique est importante, c'est pour consigner que c'est clair, puis quels sont les paramètres, puis comment je peux te ramener au travail, puis quand est-ce que je veux que tu sois au travail? Parce que c'est à la discrétion de l'employeur, mais si on laisse aller, ça devient un enjeu légal. Écoute, Caroline, on a parlé, toi et moi, là, ça fait rêver le télétravail. On pourrait tous se retrouver sur la plage à Bora Bora, puis travailler à distance de partout dans le monde, voyager tout en travaillant. Ça serait donc bien merveilleux, mais il y a des considérations, justement. On peut pas. Dans le fond, il y a des employeurs qui tentent d'attirer puis de retenir les talents en proposant toutes sortes de formules. Ça peut avoir l'air très cool de dire qu'on peut travailler partout dans le monde puis qu'on peut se permettre de partir en voyage. Mais faut bien comprendre tous les enjeux et les tenants aboutissants de ce genre de possibilités-là. Ça peut être très bien si c'est pris en toute connaissance de cause, mais c'est quoi les enjeux? Comment la loi en santé et sécurité s'applique dans un contexte comme ça si moi je me retrouve à Bora Bora à travailler à distance? J'ai choisi le pire endroit, bien sûr, mais. Écoute, c'est clair, puis je reviens à ma politique, c'est le genre de choses dont il faut traiter dans la politique. Certains vont mettre, puis je reviens à la considération santé-sécurité, certains vont mettre, tu peux pas travailler à l'extérieur du Québec, ou d'autres vont mettre, tu peux travailler d'où tu veux, mais en 24 heures, il faut que tu sois revenu au bureau. Fait que si 24 heures d'avance, je t'avise que j'ai besoin d'une rencontre, j'ai besoin d'un atelier, j'ai une rencontre client, j'ai besoin que tu sois là, en 24 heures d'avis, il faut que tu sois au bureau. Fais-le d'où tu veux, ça ne me dérange pas. Ceci dit, puis je mets de côté les considérations fiscales parce que je ne suis pas fiscaliste, mais il y a un enjeu santé-sécurité. Si on permet à nos employés d'aller s'installer de façon définitive à Bora Bora, au Mexique, n'importe où, il y a un enjeu parce que ça devient son lieu de travail. Puis si c'est son lieu de travail, c'est clair pour moi qu'il pourrait être indemnisé. Ceci dit, c'est au cas par cas, il faut vérifier. Ça fait combien de temps que l'employé est parti? Est-ce qu'il y a encore un domicile au Québec? Parce que la loi prévoit quand même
des critères. L'employeur doit avoir un établissement au Québec. L'employé doit être domicilié au Québec pour être couvert par la loi sur les accidents et maladies professionnelles au travail. Fait que quand même, il y a des barèmes, c'est au cas par cas. Mais ceci dit, si l'employé quitte un mois en Europe pour travailler en télétravail puis il profite de ça pour prolonger en vacances, il serait couvert fort probablement par la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Et donc, il y a un enjeu. Moi, je pense que dans la politique de télétravail, il devrait y avoir une section où on indique clairement nos attentes par rapport à justement là, les gens qui voudraient travailler de l'extérieur de la province ou ailleurs dans le monde. Une façon de demander à nos employés de le divulguer, une façon de garder une discrétion sur ça, notamment dans un contexte de formule de télétravail mode hybride. Si on instaure ça, la plupart là, l'ont fait cet automne ou vont le faire en janvier, une espèce de formule hybride. Bien là, si on permet à un employé de travailler de l'extérieur du Québec, est-ce qu'il y a une disparité de traitement entre celui qui peut s'en aller 2 mois en Europe puis lui, l'autre qui est au Québec puis qui est obligé de venir 2 jours par semaine au bureau? C'est le genre de choses qu'il faut statuer, puis il faut le prévoir à la politique pour que ce soit clair pour tout le monde. Moi, de toute façon, là, de point de vue ergonomique, du sable dans le clavier, les éblouissements du soleil et des palmiers, là, c'est sûr que ce n'est pas une bonne affaire. Donc, c'est sûr, plus sérieusement, en fait, c'est clair que si on est nomade, trimballer toute sa quincaillerie pour être ergonomique, c'est un défi. Donc, ça peut être intéressant d'aller travailler au chalet si on a moindrement un aménagement qui convient, mais il y a une difficulté d'un point de vue ergonomique d'assurer là, justement les bonnes conditions d'exécution du travail. En tout cas, on va continuer à rêver. C'est peut-être pas aussi concret puis possible qu'on peut le penser. Dans le fond, on a eu une question dans le chat de Mme Laura Mizoyan. Désolé si je ne prononce pas bien. Dans le fond, on parlait d'aménagement un peu plus tôt, là, puis du mode de travail virtuel, puis on parlait d'ergonomie physique beaucoup, tendinite, bursite, maux de dos. Elle nous pose des questions sur les enjeux d'ergonomie cognitive, fatigue, zoom. Bon, quel aménagement doit-on faire? Bien, effectivement, c'est une bonne question. On enchaîne les conférences l'une après l'autre. Je vais faire un parallèle avec les tables assis debout pour l'aspect physique. On vante les tables assis debout pour travailler, là, puis varier sa posture. Donc, on est assis, on travaille debout, on change le mal de place. Dans le fond, c'est intéressant pour varier sa posture, mais avant, quand on variait notre posture, qu'est-ce qu'on faisait? On allait prendre un verre d'eau, un café, on allait voir un collègue. Donc, avec les zooms qui s'enchaînent ou avec le poste de travail assis debout, il y a quelque chose qui se perd. C'est justement l'espèce de pause au niveau cognitif. On est sollicité tout le temps et ça, c'est exigeant. Donc, si on veut parler d'ergonomie cognitive, là, il y a plein d'aspects qui pourraient être couverts, mais je vous laisse avec une chose peut-être qui a trait à la formation de vos employés. Puis, si on veut attirer les gens au travail, dans les espaces corporatifs, le fait de le faire physiquement dans vos locaux, a des avantages, c'est un attrait de faire une formation dans vos locaux, mais il y a d'autres avantages aussi. Au niveau de la mémoire, on retient mieux les choses lorsqu'on est capable d'y ajouter d'autres informations. Donc, où on était, qu'est-ce qu'on a fait, avec qui on a parlé. Donc, si vous avez fait un meeting à Bora Bora, vous allez vous en rappeler du contenu parce que dans le fond, c'était enrichi d'autres informations. Donc, quand vous vous rappelez quelque chose, on dit souvent, oui, on avait parlé de ça, il y avait eu telle affaire, tu te rappelles. Donc, la mémoire, on va ancrer dans notre mémoire l'information, puis on va la recruter, la récupérer mieux quand il y a une richesse d'informations autour du contenu. Ce qui n'est pas le cas quand on est à la maison, matin, midi, soir. L'environnement ne change pas, on n'est pas en interaction de la même façon avec les gens. Donc, les informations sont moins bien encodées, si on peut dire, dans notre cerveau. Donc, ça serait tout un autre sujet, l'ergonomie cognitive, mais je fais juste une petite parenthèse sur ça. Mais j'ajoute, Patrick, nous, on s'est donné, puis peut-être une idée, là, zéro légal, on s'est donné comme règle à l'interne que si c'était une rencontre qu'on ferait,
on le fait en Zoom, là, où on ouvre la caméra. Puis si c'est quelque chose qu'on aurait juste appelé un collègue pour échanger, bien, on s'appelle, puis on essaie de bouger. T'sais, au téléphone, on peut monter en haut, aller chercher un verre d'eau, regarder par la fenêtre, ouvrir la porte. Fait qu'on essaie, parce que c'est vrai que là, on a tendance à tout faire en Zoom, alors qu'avant, on n'utilisait pas ça, Zoom. Oui, on se rencontrait pour un café, on marchait, on descendait. T'sais. Fait qu'on essaie de se donner cette règle-là pour éviter d'être toujours devant l'écran, à avoir toujours la caméra ouverte puis à regarder, là. Je pense que ça aide. C'est une petite règle qu'on s'est donnée, puis ça change la dynamique un peu. C'est super intéressant, puis je fais un lien, je bifurque là, sur la fatigue visuelle là, qui est Oui. entraînée par le travail à l'écran. On sait que quand on est très concentré, on cligne deux fois moins des yeux, on assèche plus rapidement notre cornée, puis il est intéressant de faire des micro-pauses. Donc, de fermer les yeux ou de regarder au loin à plus de 6 mètres ou 20 pieds, là, c'est une façon de justement là, reposer ses yeux. Donc, le travail à l'ordinateur soutenu, là, c'est exigeant à plusieurs égards, au niveau cognitif, au niveau visuel. Donc, il y a matière là, à faire attention à tout ça. Donc, on est donc déjà rendu à notre autre section là, sur l'aspect de l'avenir et le mode de travail hybride. On en a un peu glissé un mot tout au long de cette présentation-là, de cet événement-là. Dans le fond, c'est ce qu'on entrevoit comme étant le futur. C'est comme, dans le fond, trop d'une chose, c'est pas agréable. Si on pense à à notre mets favori, si on n'avait que ça à manger, ça serait pas agréable. Donc, il y a un hybride qui se dessine, un partage du temps entre le télétravail et le travail dans les bureaux comme avant. Dans le fond, encore une fois, puisons un peu dans le feeling que tu as à contacter, à parler avec tes clients et tout ça. Est-ce que tu vois, dans le fond, dans les entreprises que tu conseilles, une tendance se dessiner? Est-ce que c'est un, deux, trois jours, semaine qui semble être la recette là, du travail hybride? Donc, comment tu vois ça se dessiner? Oui, je pense qu'en fait, la plupart, ils vont y aller avec un, deux jours par semaine, peut-être trois. Certains ont mis par mois, alors c'est un peu plus flexible, un 8 à 12 jours par mois, ce qui fera en sorte que quelqu'un pourrait venir, tu sais, une semaine complète, pas venir la semaine suivante, tu sais, vraiment mieux gérer l'organisation mensuelle de son travail. Je le vois beaucoup, ça, par mois, mais je dirais que, règle générale, les gens ont demandé aux employés de venir une à deux ou à trois journées aussi. Au bureau physiquement. Il y a certains qui imposent des journées fixes ou statiques en raison, tu sais, par exemple, par équipe de travail. Bien, telle équipe, ça va être les lundis, mercredi, l'autre équipe, mardi, jeudi, pour éviter que tout le monde soit là en même temps, surtout avec l'arrivée des nouveaux variants. Il y a aussi des gens qui laissent vraiment une flexibilité, là, donc une à deux journées ou à trois journées selon votre discrétion. D'autres vont mettre entre le mardi et le jeudi, sachant que le lundi, les gens, normalement, préfèrent être en télétravail et le vendredi aussi, je ne sais pas pourquoi. Fait qu'il y a une certaine flexibilité, mais encore là, elle est consignée par écrit pour être certain que c'est clair. Là, l'enjeu, je vous dirais, c'est comment... On retrouve l'avocate ici, tout bien consigné, toujours. Puis je pense que l'enjeu, c'est comment on monitore la présence des employés, parce que, tu sais, les gestionnaires sont... aussi en télétravail, comment je fais pour savoir quel employé est venu, est-ce que j'ai vraiment l'obligation de vérifier qu'il est venu une à deux journées par semaine, qu'il est venu les bonnes journées. Il y a aussi évidemment les mesures d'accommodement au niveau de la santé, mais aussi au niveau des obligations familiales. Là, on l'a vu l'actualité cette semaine, la grève des CPE, notamment les jeunes parents qui sont prises avec ça. Fait qu'il y a évidemment une certaine flexibilité à avoir, mais je pense qu'il faut un encadrement, il faut des règles claires, évidemment faire preuve d'accommodement ou d'ouverture pour les gens qui en ont besoin, vu leur situation de santé ou obligation familiale. Ceci dit, je pense qu'il faut mettre des règles. Puis oui, monitorer si les gens le rencontrent. Bien, c'est intéressant. Effectivement, moi aussi, je constate beaucoup là, que les gens sont autour du 2-3 jours semaine. Fait intéressant, par exemple, quand on scrute un peu la littérature là, sur le sujet, à un moment donné, je suis tombé sur un article du Harvard Business Review là, qui citait toutes sortes d'auteurs et qui parlait d'ergonomie. Et... il y a quelque chose d'important à considérer dans l'organisation du travail.
Dans le fond, les exemples qui étaient donnés, je vais vous expliquer ça, essayer d'expliquer ça simplement, mais dans le fond, il y a une différence entre être productif et être efficace. Si je suis à la maison, concentré, je peux exécuter un travail là, d'une seule traite, très, 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 très productif, mais si je n'ai pas eu la chance de valider l'orientation que je prends dans mon travail avec mon gestionnaire, avec mes collègues, peut-être que je vais être dans le champ, comme on dit en bon québécois, donc je n'aurai pas été efficace parce que je vais avoir été trop loin, trop vite. Donc, il y a tout l'informel qui s'opère à être en télétravail. Oui, on a le chat, oui, il y a des Yammer, il y a des ci, il y a des ça, mais il reste que dans le fond, de se déplacer dans un espace de bureau, puis de rencontrer quelqu'un, combien de fois on va avoir une réponse plus rapide parce qu'on a croisé quelqu'un dans le corridor, combien de fois il va avoir eu des bonnes idées, de la créativité qui va avoir été générée au contact des gens de façon un peu plus informelle. Donc, de cette idée-là que, il faut être ensemble pour assurer une certaine efficacité puis une certaine créativité, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il faudrait que tout le monde soit ensemble les mêmes jours. En tout cas, les personnes qui doivent être ensemble pour collaborer. Donc, le free-for-all, là, comme on dit en bon québécois, n'est peut-être pas le meilleur scénario. Donc, les gens qui ont à collaborer ensemble devraient peut-être se retrouver les mêmes jours au bureau pour assurer cette efficacité-là, en fait. Donc, ça, c'est à réfléchir. Oui, on veut donner beaucoup de liberté aux gens. Il y a la conciliation travail-famille, il y a toutes sortes d'enjeux, mais il y a quelque chose qui s'opère à travers le télétravail et on s'en aperçoit de plus en plus, là. Au départ, on voyait comme étant merveilleux le télétravail en termes de productivité, mais il s'opère quelque chose, puis c'est dans ce intangible-là qu'il se trouve notamment. Donc, quand on parle d'ergonomie, on a une vision globale du travail. Oui, il y a les moyens physiques, il y a le contexte, il y a les ressources. Si on va un peu plus loin aussi, c'est la cohésion, le d'équipe et tout ça, l'entraide, la culture d'entreprise. Donc, prenons le service à clientèle. On voit son collègue senior répondre à des clients. Il y a une manière, il y a une façon de faire vivre la culture d'entreprise, puis l'expérience client, on peut apprendre de ça. On a parlé beaucoup de formation, là. Donc, de voir ses collègues œuvrer, travailler, tout ça, on apprend aussi comme ça. Et ça se perd quand on est isolé chacun chez soi. Donc, il y a des choses à considérer. Si vous voulez un peu d'aide et de lecture pour vous accompagner dans cette réflexion-là sur le travail hybride, nous, au Québec, on est extrêmement chanceux. On a un institut de recherche. L'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité, qui ont produit un guide sur justement comment un peu repenser les espaces de travail. On peut peut-être voir le guide à l'écran. Donc, si vous êtes à ce moment-ci là, à réfléchir à un retour au travail, comment on doit repenser l'organisation du travail, parce que le mode hybride, c'est plus que juste du partage de temps. Ce n'est pas juste une alternance entre le bureau et la maison. C'est vraiment repenser l'organisation du travail. Ça veut donc dire des horaires, des équipes, des tâches, des procédures, de l'accès au réseau. C'est beaucoup de choses. C'est la technologie, c'est plein d'affaires. Et dans ce guide-là, on vous donne une façon un peu de conduire ces consultations-là. Il y a des choses inspirées de la démarche ergonomique, notamment sur l'aspect participatif, comment on va chercher l'input des employés. C'est dur de travailler là, tout seul dans sa tour comme gestionnaire, puis trouver toutes les réponses. Il y a des choses très terrain, opérationnelles, dont les solutions ont déjà été trouvées par vos équipes parce qu'ils ont dû gérer dans la pandémie le quotidien. Donc, faites affaire avec eux pour connaître un peu leur stratégie, leurs besoins aussi. Et ce qu'on trouve notamment dans ce document-là, c'est que ce n'est pas tout le monde, effectivement, il faut être conscient que ce n'est pas tout le monde qui veut être en télétravail. C'est pas tout le monde qui a un espace physique à la maison. C'est pas tout le monde qui a un contexte familial qui permet d'avoir la concentration qu'on vante par le télétravail. Beaucoup l'ont vécu, les enfants qui courent et tout ça. Bon, des fois, les conjoints sont tous les deux à la maison. Ça peut être difficile à concilier le bruit et tout ça. Donc, il faut vraiment sonder son personnel pour voir qui veut, qui peut et offrir les moyens. Donc, super publication là, à regarder. Donc, on arrive
bientôt à la fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont venir un peu de l'auditoire, Il y mais avait dans quelque chose, le fond, on Patrick, voulait. laisse-moi Oui. juste ajouter quelque chose parce que on parle puis je réfléchis à quelque chose. On réalise aussi, puis tu l'as dit, quand on revient au bureau une, deux, trois journées par semaine, qu'on est vraiment efficace à la maison. En fait, tu vas dire productif et non efficace, c'est ça? mais parce qu'on réalise que quand on est au bureau, on va chercher le café puis on descend en bas ou on sort à l'extérieur chercher un lunch alors qu'on ne le fait pas à la maison, etc. Puis il y a quand même un enjeu de surcharge de travail au niveau SST, là, il y a un enjeu au télétravail à 100% parce qu'on est tellement dans le travail ou le travail est tellement omniprésent qu'on se reconnecte plus facilement le soir. Ah, puis là, en tant qu'à prendre des courriels, on finit plus tard alors qu'on ne le faisait pas quand on était au bureau parce qu'on ne traînait pas l'ordinateur, etc. Évidemment, ça s'applique différemment en fonction du contexte, mais la surcharge de travail est quand même un risque au niveau santé et sécurité au travail. Alors, je pense que le retour en mode hybride va ventiler un peu ça. Les gens, ça leur fait du bien de revenir au travail, puis ça permet au travail physique, là, dans les établissements d'employeurs, ça permet peut-être une meilleure coupure. Alors, je pense qu'il faut réévaluer, s'assurer, être bienveillant envers nos employés, mais ça dans un esprit aussi pour éviter les réclamations qui pourraient arriver en termes de surcharge de travail. Oui, c'est certain qu'on est au début là, de l'exercice. Dans le document de l'IRSST dont je vous parlais, on fait allusion notamment, on fait un parallèle avec les sinistres. Dans un tremblement de terre, une tornade, tout ça, il y a une phase en fait où les gens ont des comportements un peu héroïques. Ils sont dans l'excès en fait pour compenser. Éventuellement, il y a une fatigue à tout ça et il y a une certaine désillusion aussi face un peu à l'effort qui a été donné ou la beauté peut-être d'un certain scénario où on s'investit à 100%. Donc, quand on doit repenser l'organisation du travail, on doit prendre le temps de décanter tout ça, de faire des bilans, puis de pas trop y aller à fond, là, tu sais, le balancier, il faut pas le pousser d'un extrême à l'autre, il faut trouver le juste milieu. Donc, prendre le temps de revoir son modèle, puis de peaufiner son mode hybride. Donc, il y a des enjeux en termes de santé psychologique, en termes de TMS, en termes de recrutement, en termes d'opération et tout ça. Fait que c'est complexe, revoir son organisation du travail. Donc, prenez le temps de bien y réfléchir. Une des pressions ou une des opportunités que les employeurs veulent se saisir, c'est notamment l'idée qu'on pourrait réduire le pied carré de nos espaces corporatifs, les gens étant en télétravail. C'est une tendance qui était un peu déjà instaurée avant, mais qui était accentuée là, avec le télétravail. Si on regarde un peu les statistiques de Statistique Canada, il y avait une étude qui avait été faite, puis on disait qu'il y avait un potentiel dans l'économie canadienne que 38,9 % je pense, des emplois soient effectués en télétravail. Puis en pleine pandémie, ça leur rejoint ces potentiels-là, mais ce n'est pas tous les départements puis tous les métiers qui peuvent s'effectuer en télétravail. Donc, dans son mode hybride, il y a effectivement des gens qui pourront avoir accès au télétravail, d'autres qui ne pourront pas y avoir accès. Puis il faut que tout ce monde-là travaille ensemble. Donc, c'est quand même une situation qui est complexe. Donc, on a parlé là, de revoir ces espaces corporatifs, d'en faire un espace un peu là, wow, d'une destination, de créer là, quelque chose d'attrayant, de s'assurer des bonnes conditions et tout ça. Dans le fond, j'avais en fait là, un petit rappel là, à faire aux gens que en pleine pandémie, avec la propagation du virus, pimper ces espaces de travail, puis d'avoir des lounges, puis des espaces plus conviviaux, c'est pas là que ça va être utile. Hein, on veut avoir de la distanciation, il y a des barrières physiques, on est dans une autre gestion. Donc, le après s'étire, on ne sait pas quand est-ce que le après va être pour vrai, mais les gens revoient leurs espaces corporatifs pour essayer d'intégrer justement des espaces de collaboration, des espaces plus conviviaux, parce que justement, c'est ce qu'on manque en étant en télétravail. Fait que, il faut doser avant de faire de grands bouleversements, mais les employeurs là, peuvent mesurer leurs opportunités puis les saisir là, aux besoins. On arrive très, très, très proche de la conclusion, là. Je voulais en fait là, voir avec toi, Caroline, si
Il y avait autre chose que tu voulais discuter avant de conclure sur ça. On a parlé de toutes choses, de plein de choses. Est-ce qu'il y aurait un petit dernier message? Veux-tu Ben, réitérer qu'il faut formaliser et écrire en sa politique? vous allez quitter en vous disant, mais folle! Mais non, je pense que c'est ça le takeaway. Bon, là, je sais que les fêtes arrivent, tout le monde court pour arriver aux fêtes en même temps, c'est ce que j'aime dire, mais je pense qu'en janvier, il faut revoir vos politiques, vos organisations de travail, les adapter, parce que souvent, on bouge le milieu de travail, on bouge nos façons de faire, mais les documents légaux ou les documents fonctionnels ne suivent pas. Fait que je pense qu'en janvier, il va être le temps de revoir ça, réadapter vos politiques, etc. Puis là, je parle politique télétravail, mais toutes vos politiques, utilisation des équipements technologiques, politique d'harcèlement, tout doit être revu parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Puis c'est fantastique, honnêtement. Je pense que oui, il y a les menaces, mais il y a les défis puis les opportunités, puis il faut les saisir. Mais il faut aussi revoir nos contrats de travail, par exemple, avec notre haute direction ou avec le reste du personnel. Je pense qu'il faut réajuster ça. Il y a des enjeux légaux à refaire les contrats de travail, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de nos aiguilles. Ça nous fait plaisir, évidemment, chez Nurture Rose, de vous accompagner là-dedans. Mais d'ici le temps des fêtes, je vous laisse une petite pause quand même, mais au retour, je vous invite fortement à refaire l'exercice. Donc, effectivement, si l'organisation du travail évolue, il y a toutes sortes de politiques et de contrats là, à ajuster, là. On le voit bien. Donc, merci beaucoup, en fait, Caroline. Donc, je veux juste rappeler aux gens que vous pouvez vous abonner, en fait, à l'infolettre du guide télétravail pour être mis au courant des nouvelles parutions, des événements à venir. Donc, voilà, fait que je vais faire ça très formellement. Donc, Maître Jodoin, avocate senior chez Norton Rose Fulbright, merci beaucoup. Donc, Merci moi, beaucoup. c'était Patrick Vincent de Vincent Ergonomie. C'était un plaisir d'échanger avec toi, là. J'ai beaucoup appris. Donc, j'espère que ça vous a plu dans l'auditoire. On se reverra peut-être bientôt. Merci tout le monde. Bye tout le monde.